Tu continues par là. Je suis ici. Là, je tiens comme si c'était... Comme si c'était un ciseau. Un ciseau ou une pointe? Comme ça ou c'est comme un ça ciseau qui est fait de plusieurs pointes. Ouais, tiens-le comme ça déjà. Là, il ne se passe rien, tu vois. Il faut que tu donnes plus de force à ton coup. J'ai peur de faire... N'aie pas peur. Va doucement. N'aie pas peur. C'est la peur, c'est le plus gros frein à l'apprentissage. Tu peux nous parler de tes expériences avec les compagnons? Ben, moi, je suis parti à 18 ans. Donc, j'ai voulu vivre ma vie, on va dire. J'ai voulu devenir autonome et puis me débrouiller tout seul. Donc voilà, j'ai choisi de partir, j'avais à 18 ans. Je suis parti par le biais des compagnons. Je suis allé chez les compagnons à côté de Lille. J'ai fait un prestage de 3 jours et puis je suis arrivé à Tours. Et puis de là, je suis resté un peu en Touraine. Donc je ne connaissais pas, j'avais jamais trop quitté le Nord. Moi, je venais d'une famille qui n'était pas très, très aisée, donc on n'avait pas beaucoup voyagé. Et donc j'ai découvert un peu le voyage à ce moment-là. Mais c'est un déplacement géographique qui n'est pas très important, hein, c'est quelques centaines de kilomètres. Mais c'est tout de suite une autre mentalité, donc une autre culture, une autre manière de manger, de boire. Tout ça change, les maisons, l'architecture change. Donc ça a été ça les premières impressions de voyage. Après, on se rend compte en voyageant que le métier, il a voyagé. D'accord. Le métier, il a voyagé. Nous, on pense toujours au voyage dans l'espace. Mais en fait, il y a un déplacement dans le temps aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on apprend la taille de pierre, on se rend compte que le métier, il a voyagé jusqu'à nous. En fait, nous, on est là, on est de passage sur Terre, mais le métier, Continuer. Il continue à se transmettre. Et le métier, il a voyagé à travers le temps. Pour arriver jusqu'à nous, il passe entre nos mains. Et si nous, on ne le transmet pas, le voyage s'arrête. Donc, c'est ça le vrai voyage. Le vrai voyage, il est là. Ce n'est pas le déplacement géographique qu'on fait, nous. Bien sûr, on se déplace. Mais si on regarde un peu ça d'un peu plus haut, on va dire, on est des fourmis. On n'a pas fait trois pas, quoi. Même en faisant le Tour de France, on n'a pas fait 3 pas, c'est pas énorme comme voyage. Le vrai voyage, c'est il se passe dans le temps. D'accord. Il se passe à travers les siècles. Alors, t'as pris ta décision, quoi, ou quoi? Ouais, je pense que je vais partir, toi, avec les compagnons. Ah. Ouais, tu vas faire le Tour de France, ça. Tu commences ton tour? Ouais. C'est bien. Je pense que j'ai commencé par Strasbourg. Tu vas sûrement passer à l'atelier de l'œuvre Notre-Dame, là-bas, à la cathédrale. Là-bas? Ouais. C'est bien ou pas? Ah, c'est super. C'est un des plus belles ateliers de France. Et ils font quoi comme cuillère, tout ça? Ah, c'est la pierre, c'est du grès rose des Vosges. C'est une très belle pierre, très abrasive, mais très belle pierre. Et là, c'est du super boulot, hein. Tu vas travailler avec des gens qui sont hyper compétents. Et la tradition là-bas se transmet depuis... c'est le plus vieil atelier de taille de pierre depuis depuis le Moyen-Âge. Ah, t'es parti pour un petit voyage là qui va durer quelques années quand même. Hein. Enfin, si t'as envie de continuer, ouais. Après, c'est vrai. Mais ouais, je vais continuer, ça m'intéresse ça. Ouais.